Madame Louwagie, sur le 388. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais en premier lieu m'attarder sur le mot « contrôle ». Cela a été fait par mon collègue Hervé Mariton, mais finalement, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une vérification? Et là, nous sommes non pas sur une vérification des actes, mais sur une vérification des personnes, des officiers de l'état civil, puisque ce sont eux qui sont sous le contrôle. Est-ce qu'il s'agit d'une surveillance, d'une suspicion? Est-ce qu'on est dans de l'examen, de l'inspection? Est-ce que derrière, il y a de l'inquisition? Je crois, Madame le garde des Sceaux, qu'il est important que vous puissiez vous exprimer sur ce niveau de contrôle qui est établi. Derrière, c'est un manque de confiance important. Parce que cette personne qui est chargée d'effectuer le contrôle, c'est le procureur de la République. Procureur de la République, c'est un magistrat. Un magistrat qui, le plus souvent, reçoit des plaintes, dirige des enquêtes, décide des éventuelles poursuites engagées contre tout auteur d'infraction, un certain nombre d'éléments. Le plus souvent, il intervient dans un cadre contentieux. Donc, c'est un manque de confiance fort à l'égard des officiers de l'état civil. Et finalement, c'est contraire à l'esprit qu'avait bien voulu donner le président de la République le 20 novembre dernier, où il avait fait état, plus qu'une clause de conscience, de la liberté de conscience, donc c'était encore beaucoup plus fort. Donc cet article nous paraît contraire à l'esprit qui avait été voulu, c'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 1er bis A.